Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo config PC à 1200€, 1250€ plutôt, pour être gentil, voilà. Donc avec le cher, bonjour, bonsoir, voilà. Salut. Donc là on est parti donc avec un i7-6700K en 4GHz, la base. On laisse comme le processeur, c'est le même processeur que la config précédente, je crois. Et on a overclocké 4,4 GHz, donc c'est lourd. 4 coeurs, 8 MOK, Skylight, voilà, c'est une nouvelle version. Anti-RAD non inclus, donc on a dû mettre un vieux anti-RAD. Voilà, donc carte mère Gigabyte Z170MD3H, voilà, simple. DDR4 crucial, DDR4 carrément le mec. Hein. 4x4, donc ça veut dire 16Go de RAM en 2113 MHz, en case 16, pas en case 11, bien sûr. Voilà, voilà. La Crusade, c'est une bonne marque. Be Quiet, Pure Rock Slim, voilà, tout simple. Hein. Voilà, c'est pour tous les processeurs, c'est une ventilation tranquille. Ça, simple, ça tourne bien. T'en as combien de... Attendez, hop là. Et t'en as combien de... Ah oui. Et je regarde un peu les avis, hein. Ouais, pas mal. Fiche technique, il tourne à combien de tours minute? Je sais pas. De 1000 tours minute, voilà. 24 décibels, voilà, c'est un beau petit truc pour en ventilation. Un KFEA2 GeForce GTX 1070 overclocké mini 8Go. Voilà, c'est une bonne marque, ça suffit, ça passe une crème. Après. 379€ quand même. Après nous avons un Kingston SSD 240Go SATA 3, voilà, tous sont le même, on change pas. Un Seagate Barracuda 1 Tera, on change pas pareil, on garde le même. Pardon, on a changé le boîtier, on a pris un boîtier à 40€, c'est un petit boîtier sympathique. Il est vert, voilà, il est propre. Après vous pouvez choisir la couleur, après c'est le même prix normalement. Voilà, là il y a moins 6% aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on a dépassé un peu encore. Voilà, donc c'est cool. Et une alimentation EVGA 600W. Certifié 80+, pas bronze, que bon, si on voit les bronzes, mais bon, ça va coûter assez cher, ces conneries. Donc voilà, une bonne petite config PC, pas pour débutants, mais pour des bons jeux. Voilà, vous faites tourner en ultra, clairement, là. Là, il n'y a pas à réfléchir. On fait tourner en ultra, ce jeu, donc voilà, belle petite config, tranquillou, tranquille, tranquille. Donc voilà, avec un beau petit processeur, une belle carte de mer, tout ça. Franchement, là, c'est une bonne config pour 1250€. Après, il y aura une config 1500, je ferai une 1750€, une 2000 et une 2500, parce que je suis honnête. Voilà. Et après, je ferai d'autres versions config PC via que AMD ou voilà, on verra. C'est tout pour cette vidéo. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager si j'espère que ça t'a aidé. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si t'es une peace tout le monde, avec le mot de la fin de le tueur. Peace. Voilà. Peace tout le monde, salut. Et partagez, likez, commentez, et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, peace.